Bonjour Thierry. Bonjour. Donc, peux-tu te présenter et nous présenter ton activité? Oui, bien sûr. Donc, Thierry Mathieu, 58 ans, deux enfants, pâtissier depuis une trentaine d'années. D'accord. L'activité donc à Serment-Lin, Station Mignardise, c'est des marchés donc samedi matin à Hydron, le dimanche à l'Escar en alternance avec Naeva Yangos, et puis beaucoup de cours de pâtisserie à destination des particuliers, donc du mercredi au vendredi et le samedi après-midi, et bien sûr aussi de la vente de macarons à des professionnels pour compléter l'activité. Tu as un projet en cours? Oui, un beau et grand projet. Donc une opportunité s'est présentée de reprendre en boulangerie-pâtisserie en fait à Naeva-Yangos avec une ouverture programmée pour la fin mai. D'accord. Donc pour tes ateliers, ça va être un petit peu réaménagé? Oui, je pense que je proposerai des cours-ateliers en fait uniquement le samedi après-midi. De manière à pouvoir faire perdurer l'activité, mais avec un volume beaucoup plus court. Passion Lumière-Vise, donc tu fais de la pâtisserie, qu'est-ce que tu proposes? Je fonctionne comme une pâtisserie normale, même si à un moment donné on m'avait un peu estampillé Monsieur Macaron, oui, parce que c'est mon produit d'appel, mais après voilà, je fonctionne comme n'importe quelle pâtisserie, la saisonnalité, il y a la fête des mères, enfin tous les grands événements en fait annuels, bien sûr, Noël, les galettes et ainsi de suite. Donc je propose des petits gâteaux, des entremets, des bûches, des gâteaux de voyage sans gluten. Donc c'est assez varié. Après bien sûr des baptêmes, mariages, communions, bien évidemment. L'occasion, de multiples occasions de te contacter. Exactement. Je suis présent sur Facebook, je suis présent sur Instagram, on a un site internet là, qui va être forcément relooké avec l'ouverture de la boulangerie-pâtisserie. Et bah, voilà, comme tout à chacun, un téléphone, le 06 15 26 79 12, et puis bien sûr une adresse mail pour pouvoir être contacté. Je remettrai toutes les informations et les liens pour pouvoir cliquer et te suivre sur les réseaux. La pâtisserie, avant tout, ça doit être une passion, ce qui est mon cas, et c'est vrai que c'est un métier qui est difficile, parce que de par l'amplitude horaire, de par effectivement les contraintes, on va dire, techniques liées à la pâtisserie, donc c'est toujours intéressant effectivement de faire de la pâtisserie chez soi, parce que c'est un grand moment de plaisir en famille. Mais faire de la pâtisserie professionnellement parlant, ça demande un investissement à 200%. D'accord. Donc c'est un métier prenant, oui. Très intéressant, oui. Passionnant. Oui. Moi, mais il faut prendre la mesure des choses. Exactement, tout à fait. Oui. Bon, très bien. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Merci, de même. Et puis, j'espère vous voir très prochainement. Donc, oui. À Naeva-Yangos. Merci. Merci.